façon de faire on commence à se faire chou. Alors, je suis dans un rêve, 2 fois plus maintenant. Je disais tout à l'heure, la réciprocité, je fais partie de la planète, mon ami. Tu l'avais déjà vu comme ça? Non, pas du tout. Tu es un peu surprise de la voir, mais tu vois, il y a des substances, tu t'appelles Yoda. Ok, Yoda, tu peux leur dire? Je m'appelle Yoda. Dis-lui qu'elle s'appelle pas Yoda, je pense que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si, je m'appelle Yoda. C'est pas vrai. On me l'est, hein. Là, ils sont... C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais non. C'est visiteur, Yoda. Ouais, c'est pas d'accord, hein. Mais pas du tout. Ton prénom disparaît de ton esprit, juste de ton esprit. Disparaît, complètement disparu quand tu vas te travailler. Je t'appellerai juste Zaza. Juste Zaza. Avec toi maintenant. Comment je m'appelle, moi? Comment tu t'appelles, toi? Zaza. Ok, Zaza, je te préviens, Yoda, parlez-moi. Comment moi je m'appelle? Ah, super. Comment tu t'appelles, toi? Ah ouais, c'est bien. Pfff, dehors, c'est dehors. Ça passera pas, ça passera pas, c'est mon appel. Je bien, t'es bien, hein. T'avais déjà ressenti ça, Charlotte? Je suis défoncée. T'es défoncée? Alors, c'est les signes de transe. T'as soif? Ouais. Ça va pas être facile avec le masque. Regarde, t'as bouché sur ton fond. Juste ta bouche est sur ton fond. Bois un coup, vas-y, bois, t'as soif, ah ouais, t'as super soif. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi maintenant, juste bien. Juste quand tu vas, juste, on se moque pas de sa mère, on dort complètement, on dormit juste bien. On est la première gorgée l'eau, tu vas juste dormir. Dormir, ne t'inquiète pas, juste complètement relâché. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, juste hors du temps, dehors profondément. Complètement juste hors du temps. Alors, je sais pas comment je vais. Dormir, juste dormir, 5, 4, 3, juste dormir hors du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste dormir, 5, 4, 3, 2, 1, juste hors du temps. J'ai le pied coincé, ça n'a pas l'air, j'ai le pied coincé. C'est pas prévu. Hors du temps, tu dors profondément, complètement détendu, relâché, nerveusement bien. Dormir, impossible de vous réveiller, impossible de vous réveiller. 5, 4, 3, 2, 1, tu plonges en toi, nerveusement bien détendu, relâché, complètement hors du temps, impossible de te réveiller. Non. 5, 4, 3, 2, 1, juste merveilleusement bien relâché, détendu. Vous êtes bien, vous êtes dans un monde de rêve, simplement, vous êtes dans votre lit. Vous êtes dans votre lit sur un super matelas, vous sentez que vous êtes bien, vous êtes super bien, juste bien, mais vous cherchez la position idéale, vous ressentez la position idéale, tournez-vous dans votre lit, vous sentez que, ouais, vous n'êtes pas bien là, tournez-vous, ouais, vous allez sentir même que, il commence même à faire froid. Juste, augmente un petit peu la lumière pour qu'on les voie bien, Quentin, s'il te plaît. Ah ouais, ça va, ça. Ah, il fait froid, hein. T'as froid toi, hein. Ah ouais, t'as super froid. Et ça se bloque maintenant. Ça va? Là, là, ça va maintenant. Simplement juste pause. Lecture. Bien. Pause. Lecture. Curieux, non? C'est curieux, ça, moi. Voilà. Pause. Lecture. On peut faire de la gymnastique comme ça. Pause. Lecture. Tu vas dire l'autre mot quand tu l'entends ton ami dire le mot pause, instantanément tu vas dormir. Lecture. Pause. Tu viens de prendre le contrôle sur elle. Lecture. C'est fou ça. Hein. Ça va? On peut l'applaudir quand même. Hein. On peut l'applaudir. Ouais. Prends la chaise, la t'assois sur ta chaise. Donc, juste pause. Juste complètement chaud. Avoir du temps. On sent bien que quelqu'un t'appelle. Toujours la même personne qui t'appelle. Hein. Juste quand tu vas te réveiller, tu vas voir ta godasse qui va sonner. Vas-y, t'as quelqu'un qui t'appelle à ta chaussure là. Prends ta chaussure, décroche, il y a quelqu'un qui t'appelle. Tu vas l'engueuler, mais tu vas l'engueuler juste en chinois. Ouais, vas-y, parle-lui, hein, vas-y. Et tu vas parler 2 fois plus fort en chinois. Tu vas te réveiller juste, tu vas juste imaginer que ta casquette est un téléphone. Avec toi maintenant. Et prends ta casquette, il y a quelqu'un qui t'appelle là. Ah, vas-y, décroche. Décroche. Et ça va ressonner, tu vas l'engueuler 2 fois plus. Vas-y, Jennifer, engueule la personne en chinois, vas-y. Vas-y, engueule-la, elle t'appelle encore, elle voit pas qu'on est dans un spectacle. Et tu vas l'engueuler 2 fois plus maintenant. Ça sonne, il y a quelqu'un qui t'appelle encore. Engueule-le en français. Oui. Non mais là, t'es casse-couille en fait. Non, sérieusement, là, tu m'appelles. Et tu l'engueules 2 fois plus maintenant. Non mais là, c'est bon quoi, lâche-moi quoi, c'est bon. Ouais. C'est tout dit de toute façon. Puis comme c'est un peu vulgaire, tu vas l'engueuler en chinois. Ah, quinchouan, quinchouan. Ah ouais. Vas-y, on fait un selfie, tu m'enverras la photo, vas-y. Ouais, ouais. Tu m'enverras la photo, hein. Ah, promis, hein. Ouais. Regarde, ça sonne. Il y a quelqu'un qui t'appelle, là. Ah, décroche. Ouais. En chinois. Je savais qu'elle parlait chinois. Et en plus, elle parle vachement bien. Et tu parles en chinois maintenant. Tu vas parler en biquette. Et tu vas peut-être juste à parler en petite biquette. Petite biquette qui ben. Maintenant, vas-y, exprime-toi en biquette. Elle est mignonne la biquette, hein. Ta main est collée à ta tête, complètement collée à ta tête, ta main est complètement verrouillée à ta tête, par une force hypnotique si puissante qu'à partir de maintenant, impossible de détacher ta main. Tu vas prendre ton bras, tu vas essayer de décrocher ton bras de ta tête, mais tu ne vas pas y arriver. Essaye, prends ce bras, tu vas tirer dessus, juste tirer dessus, mais ça va se bloquer 10 fois plus. Impossible de débloquer ton bras, ta main se colle, complètement collée, verrouillée. Juste collée, verrouillée, je vais t'aider. Voilà, on voit quelqu'un qui est en transe réellement. On le voit parce que je tiens vraiment sur le bras fort et c'est bien, allez bien. Ça va, petit singe? Et tu vas parler 2 fois plus fort maintenant. C'est un singe timide, ça. Et tu t'exprimes encore plus fort maintenant. Ça va, la biquette? Quelle est la couleur de mes yeux, Elodie? Dormir, dormir. T'es sûr qu'ils sont bleus les yeux ou ils sont verts? Bleu. Ça fait un peu Amityville, là. Dormir, dormir, dormir. Juste hors du temps. Allez, toi maintenant. Quelle couleur ils sont mes yeux? Regarde bien mes yeux, regarde bien la couleur. Dormir, dormir, dormir. C'est pas joli, ça va pas finir, elle va pas finir le verre. Hein. Je vais le mettre sur le côté parce que j'ai même peur qu'elle ouais, s'endort sur le verre. Alors des fois, ça m'arrive, j'ai des gens qui partiront. Tu vas te mettre à voir le hockey, tu es ivre et tu vas te mettre à voir un hockey imaginaire, mais très puissant dans ton esprit. Tu as le hockey, tu t'exprimes, juste réveille-toi, juste un moment est ivre. Ah, ça va? Ouais. Ah, t'as loqué 9 fois plus. C'est dur, hein? Ouais, complètement bourré. Ça va, les effets de l'alcool, ils sont pas trop forts pour toi, non? Non, ça va, hein? Ouais, c'est bien. Hein. Je préfère. Regarde, t'as un pouvoir. T'as même pas besoin de moi, je t'aurais appris ça dans ton spectacle. Laisse ton doigt se rapprocher de ton front fixe ou ton index. Plus ton index se rapproche de ton front, plus tu sens que ça c'est pour les insomniaques. Plus tu sens que tes paupières sont de plus en plus lourdes sans que tu saches vraiment pourquoi, instantanément au contact de ton doigt sur ton front, tu vas juste dormir, ça sera plus fort que toi, tête lourde et pesante, état de fatigue, interrupteur, tu dors. Dodo, tu restes bien assis, en équilibre. Regarde. Mais oui. Mais tu vas faire pareil, regarde quand on voit, Quand il a touché ton front, tu sais pas pourquoi, t'es tellement ivre que dormir. Ah ouais, ça n'a pas traîné, hein. Ça n'a pas traîné. Prends ton doigt, fixe ton index, concentre-toi sur ton index, plus tu vas fixer ton index, plus tes paupières vont être de plus en plus lourdes, tête lourde et pesante, tu vas sentir cet état de bien-être qui va t'envahir, cet état de bien-être qui t'envahit de plus en plus. Dès que ton doigt va toucher ton front, juste tu vas dormir, comme s'il y avait un interrupteur sur ton front. Vas-y, appuie sur l'interrupteur sur ton front, tu vas juste dormir. 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 Hors du temps, tu es fiché désormais comme une statue, toi aussi. Vos yeux vont pouvoir s'ouvrir, mais juste à mon claquement de doigts, vos yeux vont s'ouvrir, mais ils resteront fixes. Vous serez juste inconscient de ce qui se passe. Restez dans cette position, les yeux s'ouvrent maintenant. Les yeux s'ouvrent maintenant, vous êtes fixe, vous n'avez plus conscience de ce qui se passe, impossible de comprendre ce qui se passe, vous êtes juste plongé en bout, tes yeux vont s'ouvrir maintenant, juste ta tête se redresser, juste un regard fixe, tu es juste hors du temps, inconscient de ce qui se passe. Ici, tiens, viens là. Juste, je te présente le musée Grévin. Parce que j'ai pas le droit de dire Grévin, c'est plagiat. Tu vas faire un petit tour du musée, tu passes la main devant les yeux, tu vas regarder simplement juste ce qui se passe quand tu passes la main devant les yeux. Les yeux vont rester fixes parce qu'ils sont juste déconnectés de la réalité, complètement fixes, complètement figés, complètement statuifiés, impossible d'avoir conscience de ce qui se passe. Dormir, dormir, dormir. Jennifer, maintenant, elle sait qu'elle est réceptive, réveille-toi maintenant. Elle ne voit pas. Et tu vas rester comme ceci, tu vas te tourner juste pour montrer que tu n'as plus conscience de ce qui se passe, du temps et de l'espace. Que je vais mettre ma main dans tes yeux, mais tu vas juste rien voir. Juste rien voir. Vous voyez, si je fais ça, quelqu'un va avoir des réflexes. Il ne peut pas. Ça va? Ok, on peut les applaudir. Franchement, oui. On peut les applaudir. Donc voilà, assis-toi, juste assis-toi. J'ai un pistolet. On va voir. Tu vas danser avec tes bras, comme justement. Tu vas danser avec ta maman pour pas laisser tout seul. Ah, plus de musique, hein? Alors, on va garder un souvenir. Regarde, hop. Tiens, regarde, j'ai un super Samsung, c'est le dernier cri. Un superbe appareil photo. Prends l'appareil. C'est un superbe appareil dans ton esprit. Vas-y, fais un selfie avec moi. Vas-y. Ouais. C'est bien, hein? C'est bien. Ouais, c'est bien. Dormir. Rends-moi mon téléphone. Tu travailles maintenant. Elle savait pas qu'elle était réceptive. J'ai dit, ça va, t'es dit, tu fais par terre. Ah ouais, c'est bien, hein? C'est un moment, hein? Allez, tu vas me faire un bisou. Alors, tiens, le bisou du prince charmant réveille la princesse. Et toi, ça va être l'inverse. Quand tu vas te faire un bisou, tu vas juste dormir, ça va être plus fort que toi. Fais-moi un bisou. Dormir, 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 t'es bien. Travaille maintenant. Allez, Jennifer, à toi. À toi, bah tiens, rends-moi mon scratch. C'est vrai? Assieds-toi, assieds-toi. Ok, ça va? Je suis le prince charmant. Tu vas me faire un bisou, mais quand tu vas me faire un bisou, mais avec ton masque, tu vas juste dormir. Dormir, juste dormir, merveilleusement bien, juste hors du temps. Vas-y, fais des photos. Ah, super, elle est belle la photo là. Ah, super photo là. Travaille maintenant. Non, fais une photo, t'endors pas. On sent le relâchement musculaire, hein, c'est juste. Et tu travailles maintenant. Ça va, Charlotte? Fixe-le. Plus tu le fixes, plus tes paupières deviennent de plus en plus lourdes, et plus tu sens qu'il ralentit, plus tu sens qu'à un moment donné, tu vas juste plonger en toi. Juste sentir que cette énergie te quitte, juste lourde, de plus en plus lourde. Dormir, dormir. Travaille maintenant, réveillez-vous maintenant, parce que sinon vous ne voyez pas le spectacle. Juste à un moment donné. Fixe-le. Tu vois les couleurs, tu choisis les couleurs que tu veux. Plus tu sens que tes paupières sont de plus en plus lourdes, que tu ne peux pas retenir le sommeil de t'envahir. Paupières de plus en plus lourdes et tu sens cet état de fatigue qui t'envahit, cet état de bien-être. Relâchement musculaire, rapid eye movement, on est bien. Un mouvement de gauche à droite qui sollicite le conscient et l'inconscient. Tu dis rien, elle part tout de suite. Tu es complètement relâché, tu as du mal à... Oh! Awesome.